Merci Giancarlo d'avoir accepté la proposition de diriger un atelier professionnel. Pourquoi as-tu répondu oui immédiatement ? Eh bien, parce que pour moi c'est difficile de dire non. Non, je rigole, mais c'est parce que ça me ressemble à une bonne idée. C'est une bonne idée parce qu'il n'y a pas beaucoup de centres culturels comme ça. Et alors, faire un centre culturel professionnel qui va impliquer l'italien, c'est pour ça. Impliquer aussi en français. Et la peinture, la gravure, la restauration du tableau, c'est toute une série de métiers traditionnel lié à la création de l'art, au mieux, à la création de la peinture, du dessin, de l'histoire du dessin, etc. Que si tu veux, c'est ça vient de tant de temps, de 1003, 1004, 1005, 1006. C'est un peu la répétition de la bottega d'arte. Il y a ceux qui enseignent la peinture, ceux qui enseignent restaurer les tableaux, que ça sert pour aller dedans aussi l'histoire des tableaux, et on peut apprendre culturellement aussi ça, et la gravure aussi, parce que la gravure, il y a la gravure traditionnelle, et on peut faire aussi la gravure qui faisait le studio 17 de Stanley Hayter, qui c'était à Paris dans les années 60, c'était très fameux dans tout le monde. Et on a un maître qui peut expliquer ces choses-là. Et finalement, on espère que les gens comprennent ça, parce que c'est très important. Merci beaucoup. Thank you.